Allô, la Jembaï? Écoute-moi bien. Ça fait plus de 20 ans que Golden est le premier fournisseur principal de Sengold. On t'a toujours fait des faveurs, au point de te donner les meilleurs prix de vente pour te faire plaisir. Donc maintenant, à cause d'un simple problème de permis d'exploitation, tu veux mettre fin à notre collaboration? Tu veux résilier ce contrat de confiance que tu as avec nous, alors que ça fait tellement d'années que ça dure? Reconsidère ta décision. Bon, écoute. Donne-moi 2 semaines. 2 semaines pour que je voie avec le ministre des Mines comment je peux lui mettre la pression pour avoir ce permis. Écoute, Madjigen, je te donne jusqu'à ce soir 18h pour que tu me présentes un permis d'exploitation. Sinon, je résilie le contrat. Elle ne lâche rien à ce que je vois. Quel sale traître, quel lâche, ce Aladji Mbaye. C'est moi qui lui ai donné une chance d'être celui qu'il est devenu aujourd'hui. C'est encore moi qui ai baissé les prix pour lui, cet escroc, pour qu'il soit le plus gros client de Golden. Alors qu'il n'était qu'un simple rabatteur, mais il va me le payer. Maintenant, les gens ne sont que des traîtres. Plus personne n'est reconnaissant. De toute façon, j'ai pris une décision. Voilà, on n'a plus le choix. Je viens d'appeler Ball pour lui dire de m'amener son exploitant. Comme ça, on va pouvoir échanger des actions contre son permis. Mais attends, tu te rends compte de ce que tu dis? Oublie, je te l'ai dit l'autre jour, ne signe pas. Je trouverai une solution. Mais maman, quelle solution? Là, il n'y a plus de solution possible. Il faut qu'on prenne un risque. Si on perd Sengold, Golden va faire faillite. On n'a plus le choix. Il n'y a que ça à faire, il n'y a pas d'autre solution. Maman, on peut pas faire autrement, j'ai pris cette décision, je vais la mettre en œuvre. Je pense que cela est facile. Avec cet ultimatum, croyez-moi, ils me céderont des actions. Ils n'auront pas d'autre choix. Si j'ai Omar Ball, Kader, Yapi et Madeleine Sonko dans ma poche, en 2 mois, je deviens PDG de Golden. Dans ce cas, toi, je te renverrai l'ascenseur. Et je te ferai une réduction de 10% sur tous les achats. Non, impossible. Je veux au moins 20%. Mon ami, 20%. Écoute, je sais que tu me fais une faveur. Moi aussi, je sais comment retourner les faveurs. Surtout quand il s'agit de personnes comme toi qui m'ont aidé dans mes affaires. Maintenant, je te ferai une réduction de 15%. Et je crois que c'est assez généreux. D'accord, c'est bon. Bien. Alhamdoulilah, marché conclu. Content de l'entendre. Maintenant, quoi qu'il arrive, ne m'oubliez pas. Parce que j'ai pris d'énormes risques. Je compte sur vous pour vous en souvenir. Fadel, tu te souviens? Mon dossier avec James. Tu peux me gérer ça? Monsieur le ministre, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Sachez que j'en fais une affaire personnelle. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Thank you.
Monsieur Seck, il y a une chose qui m'intrigue. Je sais que vous êtes le mandataire de Monsieur Meïs Adem, qui est le PDG de Taringa Business. Avec ce permis d'exploitation qui lui permet d'être actionnaire de Golden, qu'est-ce qui a bien pu l'empêcher de venir ? Compte tenu de l'importance de la chose. Vous savez bien que Monsieur Dem est toujours entre deux avions. Aujourd'hui, il est là, demain, il est là-bas. C'est très difficile pour savoir où il se trouve. En ce moment, il est en déplacement. C'est pour ça, au moment même où je vous parle, il est en France. Une seule erreur. Une erreur seulement, et James Guy ne signera pas. Monsieur Seck. Vous m'avez dit que Monsieur Dem est en France, mais où exactement ? Comme je vous ai dit, il est entre deux avions. Parfois, il est à Paris, d'autres fois à Marseille. Même Bordeaux. Monsieur Ball m'a dit tout à l'heure que Monsieur Dem était pourtant en Hollande. Ah non. J'avais bien dit France. Oui, c'est ce que j'avais dit. Si, si, il est en France. Revenez vers 18h. Il y a des détails que je dois revoir. Mais quoi ? Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, on n'a pas le temps, là. J'ai dit 18h. Monsieur Guy, j'ai un avion à prendre à 17h. Je ne pourrai pas revenir. Ne vous inquiétez pas. Golden vous trouvera un autre billet d'avion pour 20h. À Échafal, trouvez-lui un billet en première classe. C'est comme si c'était fait. J'aurai besoin de vos noms et prénoms. Votre numéro de passeport et votre destination. Non, merci. Je m'en charge personnellement. Excellent. Alors, je vous attends pour 18h. Une seule et unique erreur, il ne signera pas. Il voudra tout savoir, vraiment tout savoir, sur Teranga Business et Maïsa Dem. Je veux tout savoir, je veux tout connaître. Voilà. On n'oublie aucun détail. Il faut que vous me rameniez l'identité du futur actionnaire de Golden. Et je peux vous dire qu'il n'ira pas consulter une voyante. Il ira à la chambre du commerce. Il ira donc à la source. Léna, s'il te plaît, je ne veux pas de recherche sur Google. Va directement à la chambre de commerce. Je veux toutes les informations sur Teranga Business. Date de création, collaborateur, liste du personnel, tout, tout. Mais ce n'est pas un problème. J'ai des éléments qui sont là-bas. La personne qui sera chargée de récolter ces informations trouvera là-bas des informations erronées et qui la mettront en confiance. Écoutez, madame, ces documents sont censés être confidentiels. Et comme vous le constatez, Teranga Business a été créé en 2006 par Monsieur Dem Meïsa. Cette société est spécialisée dans l'import-export, ainsi que dans l'immobilier. Mais là où il faudra faire attention, là où vous n'aurez pas le droit à l'erreur, c'est de bien vérifier ce que vous faites. Car il va envoyer sa London Lady pour vous suivre. Danny, je veux tout savoir sur Monsieur Seck, tous ses déplacements. Tu ne laisses rien. Ce qu'il mange, ce qu'il boit, là où il dort. Même si... Je veux savoir la couleur que ça a. Tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez, même bouger une oreille alors que vous ne devriez pas, James Guy sera au courant. Et c'est là où est notre avantage. Quand tu iras dans ta chambre, là-bas au Novotel, sur la table, tu poseras ces documents-là. Ce sont des documents qui prouvent que Teranga Business a conclu des marchés, dont la valeur atteint des dizaines de milliards. Cela suffira à James Guy.
Et si tout ça ne fonctionne pas comme tu l'as prévu ? Dans ce cas, James Guy aura la certitude que Fadel et Maïssa Dem, c'est la même personne. Il n'aura pas d'autre choix que d'envoyer sa London Lady pour qu'elle me trouve. Je l'attendrai à Expert Auto. Je sens que je ne vais pas du tout regretter d'être venu ici. Vous avez le choix entre la Ranch Vela et la Ranch Sport. Je pense que je vais prendre celle-là. Suivez-moi. Oui, c'est ça. Vous êtes satisfaite de votre commande ? Oui. Une fois là, après avoir déjoué la sécurité, elle viendra dans mon bureau pour me faire face. Oups. Excusez-moi, je pense que je me suis trompée de bureau. Non, ma chère, tu ne t'es pas trompée. Tu es bien dans le bureau de Maïssa Dem. Prends place. Merci. En fait, je suis journaliste. Daniela Ndiaye, enfant de la rue, fugue en Mauritanie avant d'émigrer en Angleterre sous le statut de réfugié. Des études entrecoupées par une vie instable, drogue, alcool, banditisme, jusqu'au jour où James Guy, James Bond, la prend sous son aile. Et là, elle devient son bras armé, sa femme à tout faire, même à satisfaire sa libido. Et quand l'enfant prodige rentre au bercail, elle le suit. En récompense des bons et loyaux services, elle est promue directrice des ressources humaines de Golden. Le grand groupe Golden. Je sais que tu te dis, mais comment a-t-il fait pour avoir toutes ces informations sur moi ? Ou comment savait-il que j'allais venir ici ? Quand tu connais très bien une personne, tu finis par connaître ses défauts et ses failles. À moi, tu n'as rien à dire. Il faut plutôt dire tout cela à Jamil Guy. Quand tu vas retourner là-bas, tu lui diras que Fadel Dem et Maïssa Dem sont la seule et même personne. Et transmets-lui mes amitiés. Mais pourquoi avoir caché ton identité au début, si c'est pour la dévoiler après ? Tu sais, à un certain âge, on redevient un enfant et on essaye de s'amuser un peu. Fadel. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Je sais ce que tu veux. Tu veux que James sache que c'est toi qui es derrière tout ça. Que c'est toi, Maïssa Dem. Qu'il refuse de signer, qu'on perde un client. Que Golden fasse faillite. Et que tu gagnes. Je suis impressionné par ton intelligence. Tu as tout compris ? Et si je décidais de ne rien lui dire ? Alors il signe et je deviens actionnaire de Golden. Dans tous les cas, je gagne, d'une manière ou d'une autre. On se reverra très bientôt, Danny. Et je pourrai te dire merci. Dis-moi, Madge, tu es toujours très bien habillée, mais là, le foulard est magnifique. Merci beaucoup, ma chérie. Est-ce que tu te souviens d'Amici ? Eh bien, je l'ai acheté dans sa boutique l'autre jour. J'irai y faire un tour. Mais là où tu m'amènes aujourd'hui, si on m'avait dit qu'un jour j'irais là-bas, comment l'as-tu connue ? Ah, mais toi aussi. C'est mon amie. Ah bon ? Bien sûr. Eh bien, quelle chance !
Notre amitié date de très longtemps. Mais tu me surprends, là. Je suis vraiment trop contente et je suis même pressée d'arriver. La voilà qui arrive. La première dame dans toute sa splendeur. Une grande dame en son palais. Nous sommes très contentes. Waouh, mashallah. Nous sommes très fiers de toi, moi et ma bienfaitrice, Majigengai, reine-mère de Golden et de l'or. Ma bienfaitrice venue pour te voir. Deux premières dames ensemble. Majigen. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps même. Toujours ça aussi va. Ravissante. Tu es mon exemple, ma grande sœur. En tout cas, merci infiniment de nous recevoir. Mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, je ne suis pas venue les mains vides, Ndoumbé. Voici le présent de ma bienfaitrice. Mashallah, c'est beau. Oh, Majigen, c'est vraiment très joli, ça. Fallait pas. Dès que je l'ai vu à Sengold, j'ai pensé à toi. Ah, oh, c'est vraiment gentil. C'est rien, ça. Ndoumbé, montre-lui les autres. Voici les autres. Et ce n'est pas fini. Mais vous m'avez gâtée, là. Mais non. C'est vraiment beaucoup trop. Toi aussi, tu le mérites. Et j'aurais fait plus. Celui-là, ça vient d'Ndoumbé. Et c'est elle-même qui l'a fait. C'est elle et moi, on l'a fait ensemble. Tu sais qu'elle aime la culture, elle croit beaucoup en notre culture et toi aussi. Nous l'avons fait juste pour toi. C'est vraiment trop gentil. Sens-le. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Comme ça, tu vas embaumer tout le palais. Voilà ce qu'on t'a apporté. Merci beaucoup. Tout cela, c'est pour toi et on aurait voulu faire plus. Moi, vraiment, je suis aux anges. Car si on m'avait dit qu'un jour, je rencontrerais la première dame, mais vraiment, machallah, je suis contente. Maintenant, je vais vous laisser toutes les deux discuter. Je vais laisser les deux grandes dames ensemble. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Pas de problème, à tout à l'heure. Je ne veux pas abuser de ton temps, mais je te remercie. Déjà, que tu nous reçois la dernière minute. Majigen, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Viens t'asseoir là, par ici. C'est plus confortable, allez, bien, viens. Bien, madame. Ah, je tenais à te remercier. Vraiment, parce que malgré ton emploi du temps chargé, tu as quand même trouvé un moment pour m'accorder un rendez-vous. Tu es ici chez toi. Tu viens quand tu veux et tu m'appelles quand tu veux. Merci. Et les activités de la pépinière? Je la suis, tu sais. Ah bon? Oh, ça me fait plaisir. Je suis entourée de femmes battantes. De braves femmes. D'ailleurs, à cette occasion, je vais t'envoyer une invitation. Parce que je veux faire l'inauguration d'une chaîne de supermarchés que je veux ouvrir. Je veux faire en sorte que les Sénégalais puissent consommer leurs produits locaux. Ah, Majigen, c'est une très belle initiative. Vraiment, je te félicite. Merci. T'encourage. Ça me ferait très plaisir de venir. Inch'Allah, je viendrai. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour une sollicitation par rapport à Golden. Tu risques d'entendre, d'ici quelque temps, que Golden a fait faillite. Oui. Et tout cela sera dû à un problème de renouvellement de permis d'exploitation. Et pourtant, on a fait toutes les démarches qu'il fallait auprès du ministère des Mines pour le renouvellement de ce permis d'exploitation. Mais leur délai est trop long. 2 mois. Golden ne va pas y survivre. C'est pourquoi je me demandais si tu pouvais intervenir auprès du président, ton mari, qu'il puisse nous appuyer auprès du ministère pour qu'on nous renouvelle le permis d'exploitation. Majigen, cela risque d'être très délicat, parce que je n'ai pas pour habitude d'intervenir dans la gestion du gouvernement. Et tu sais, c'est en mon mari que le Sénégal a placé sa confiance. Lui aussi, il a choisi ses collaborateurs de confiance et les a placés là où ils sont. Donc ce sera compliqué d'intervenir. Je suis vraiment désolée. Mais je ne vois pas ce que je peux faire. Quel escroc, mais c'est pas possible! Je ne signerai aucun document. Je préfère mourir que de voir Fadel Dem, actionnaire de Golden. Mais si vous ne le signez pas, on va perdre la Jimbai. Et perdre Sengold. Est-ce que Golden pourra le supporter? On ne s'en remettra pas. Je sais que c'est dur pour toi. Mais c'est moins pire que de laisser sombrer Golden. De toute façon, dans les deux cas, Fadel Dem risque de gagner. Et cette fois-ci, on a perdu.
C'est mort pour nous. Désolé du retard. Jamil Gaye, tu ne signeras pas ce document. Tu sais, je te connais. Tu es une femme intègre. Et je sais aussi que tu ne voudras pas aller au-delà du protocole pour essayer de trouver une solution à cette situation. Mais il se trouve que tu es mon dernier recours. Golden se trouve être une entreprise qui, au niveau mondial, est un exemple, parce que c'est la seule entreprise d'exploitation minière d'or qui appartient aux Africains, les Sénégalais. Nous, les Sénégalais, nous la dirigeons. Nous sommes un exemple, en fait. Notre réussite à Lune Badara Gaye et moi, c'est un exemple dans ce Sénégal, un exemple dans toute l'Afrique. Notre rêve à nous, s'il est brisé, c'est le rêve de l'Afrique qui va être brisé. Maintenant, si notre président, ton mari, pouvait nous aider, pour qu'on puisse avoir ce permis, qu'on puisse le renouveler, afin qu'on puisse nous relever. Beaucoup d'entrepreneurs de ce pays qui veulent nous prendre pour exemple, eux aussi, ils pourront avoir un rêve comme le nôtre qu'ils pourront réaliser. On donne du travail à des milliers de Sénégalais. On nourrit des milliers de familles. On a des milliards en bénéfices et en revenus. Ton mari, s'il pouvait nous aider en cela, ce serait la réussite de toute l'Afrique, de tout le Sénégal, mais comme je le disais, je comprends ta position. Je vais essayer de trouver une autre solution pour obtenir ce permis renouvelé. Je te remercie pour le temps que tu as bien voulu m'accorder. Ma chicken, tes propos m'ont touchée. Et ce que tu as dit est vrai. Golden est une entreprise à 100% sénégalaise qui participe à l'économie de ce pays. Nous avons besoin de Madjigan Gaye et d'Alioune Badara Gaye pour enrichir grandement l'économie de notre pays. Et qu'importe que ce soit le président de la République, que ce soit moi qui suis son premier soutien, aujourd'hui notre devoir est de soutenir les entreprises. Je vais en faire une affaire personnelle. Vraiment ? Je vais en toucher un mot au président. Voilà. Nous avons notre permis d'exploitation. Quoi ? Ça, ce n'est pas possible. Je me suis pas autant donné pour ce permis pour que tu débarques ici. C'est inadmissible. Ça fait des jours que je cours pour qu'on ait ce permis. Non, je n'accepterai pas ça. C'est celui-là qu'on va signer. De toute façon, la société, elle peut avoir deux permis, n'est-ce pas ? Alors, je n'accepterai ni maintenant ni jamais qu'on utilise un autre permis. Que ce soit clair, quand Golden était dans la merde, c'est moi seul Omar Ball qui suis allé régler ça. Aujourd'hui, tu nous amènes un permis sorti de je ne sais où. Et là, tu débarques et on ne sait même pas d'où tu viens. Mais alors, pourquoi est-ce que vous ne le défendez pas, Monsieur Sec ? Au revoir.